d'abord un fils de la terre et mon titre de gloire c'est paysan à la roussette. C'est la ferme de mes parents, c'est la mienne et c'est devenu celle de mon fils. L'agriculture ça se mesure en pas de temps de 30 ans, c'est-à-dire de génération en génération. Cultivons-nous d'abord une chaîne de télé, sorte de vaste bibliothèque de reportages à piocher pour s'intéresser en images au monde paysan. Cultivons-nous se décline aujourd'hui en une sorte de grosse revue, voire même un joli livre à la couverture souple et aux illustrations soignées. L'idée, mettre des mots sur des vies, sur des passions, sur des pratiques, sur des drames aussi. L'agriculture française, de la terre à l'assiette, à hauteur de femmes et d'hommes, plongée dans un monde aussi vivant, pluriel et inventif qu'il est mal médiatisé, question sur les poncifs qui collent à sa représentation et sur les enjeux idéologiques qui les sous-tendent car ne nous y trompons pas, nos champs sont devenus des champs de bataille politiques et scientifiques. Alors quel rôle jouent les médias dans ces combats L'instant M. Sonia Villers sur France Inter. Et je précise qu'aujourd'hui s'ouvrent les assises de l'agriculture à Nantes. Bonjour Edouard Bergeon. Bonjour. Alors votre nom aujourd'hui est devenu célèbre en France. 2 millions d'entrées et une nomination pour un meilleur film au César. Ce film, c'était avec Guillaume Canet. Il s'appelait Au nom de la Terre et c'était un hommage à votre propre père. Donc aujourd'hui, quand on dit Edouard Bergeon, eh ben les projets s'ouvrent. <laughs> <laughs> c'est vrai c'est pas mal. Ouais. <laughs> Voilà. Je suis Donc... très ému là parce que je viens d'entendre l'agriculteur qu'on a entendu, oui. c'est Michel Teissédou. Oui. Il est éleveur dans le Cantal. Euh, cet entretien qu'on a entendu, je l'ai fait il y a un mois. Et il a l'âge de mon papa, Michel Tissedou, et ils, ont les, ils avaient les mêmes visions de l'agriculture, de la modernisation, mm. euh, de l'humanité en fait, ouais. et de l'entendre entendre sa voix. C'est un peu mon, mon père agricole. C'est ça. Euh, je suis assez touché, je suis très touché de l'entendre. Voilà, le, votre, votre père que vous n'avez plus, hein, c'est ce que raconte le film. Votre père. Oui, mais il est avec moi faim, là, et c'est pour ça que je suis là avec jours, vous. C'est pour ça que je parle d'agriculture. Et... Mais oui, mais oui, et que vous ne lâchez pas, et que vous ne lâchez rien. Je peux pas en fait. <laughs> Alors on va dire un mot. Bah en fait, on va le dire tout de suite parce que c'est la fin du livre. Votre maman a reçu le mérite agricole. On appelle ça le poireau. C'est quoi le poireau ben, Le poireau, c'est le mérite agricole. Et en fait, c'était pendant le premier confinement et ouais. elle n'a pas pu avoir de cérémonie. Et comme c'est un livre où je. Bah, je raconte beaucoup de moi dans ce livre, et ben c'était important de rendre hommage mmh. à celles et ceux qui nous nourrissent, à tous mmh. les agriculteurs et toutes les agricultrices, et à ma maman qui a pris sa retraite d'agricultrice mmh. le 31 décembre dernier, et qui bon, a beaucoup souffert, mais qui est une passionnée, hein, c'est une fille d'agriculteur. Et, euh, et voilà, il y a quelques photos. Et ça, mais c'est tel... pour dire aussi à quel point a fait boule de neige le succès de ce film, le succès inattendu et absolument incroyable de ce film au nom dingue, là, ouais. Alors on va dire un petit mot de cette chaîne de télévision un petit peu particulière, une sorte de Netflix du monde paysan, hein, parce que en fait, c'est de la vidéo à la demande. On choisit ce qu'on regarde. Ouais, comme une plateforme, c'est pas voilà. très beau comme nom, mais c'est. Oui, Netflix, c'est ça. Des documentaires sur l'agriculture, le bien-manger. Euh... Edouard Bergeron, pardon. Il faut ah, oui. qu'on mette nos masques. Ah, oui. J'ai oublié. Oui. La pandémie est de retour. Il faut qu'on mette nos masques. Allez hop, on donc, reprend. Donc en fait, on re... je relis justement le champ, l'assiette, pour ne plus réfléchir oui. en silo. Et ce sont des documentaires. Je crée Cultivons-nous avec Guillaume Canet comme parrain, mm -hmm. avec Antoine Robin, qui est un ami spécialiste des médias digitaux, on se dit, à la près, au nom de la Terre, 2 millions d'entrées, 120 débats, mais une partout, gros... en France. partout en France, mais une grosse méconnaissance des sujets agricoles. Donc, euh, comment y remédier ben, En créant une boîte à outils pour tout le monde, mais bien sûr pour les plus jeunes. 2 millions d'entrées, seulement 115 000 à Paris. Mm -hmm. Et là, on crée Cultivons-nous TV, on a un an et demi d'existence, donc c'est .tv, ça se trouve sur le net, mais on est aussi sur la box d'orange, on est sur Prime Vidéo, demain peut-être sur Free. Aujourd'hui, on, on a grandi... Mais on est à un seuil, euh, vous savez, quand on grandit, il faut après, pour évoluer, il faut caper. On est à, il, nous, il nous manque des moyens, il nous manque, on a des ambitions, on mmh. aurait envie de faire peut-être un magazine, peut-être une école, parce que c'est ça le sujet de l'éducation. Donc, euh, il nous faut un nouveau partenaire financier technique, là, pour faire grandir tout ça. Voilà. Alors, en attendant, que... il y a le livre, cette espèce de grosse revue écrite à plusieurs mains, qui, qui paraît aux, aux arènes. Cultivons-nous ouais. bien manger avec les paysans d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'infographies. On sent votre volonté pédagogique. On sent l'ancien journaliste. Il y a beaucoup de schémas accompagnés de vignettes très joliment dessinées. Il y a aussi beaucoup de photos. Je pense à ce reportage Mathieu, 29 ans, Saint-Hilaire-de-la-Croix. Ouais. Une série... Dans le puy euh, de Voilà, qui le montre au champ, à l'état à la maison, au marché, au supermarché. C'est vraiment son quotidien, c'est son corps sec. Il n'y a pas de volonté dans Jolivet. Et puis il y a cette dernière photo, une, une vache qui met bas. Et on tourne la page. Et là. Il y a des aquarelles naïves, jolies. Donc, il y a plein de. Comment dire C'est aussi pluriel que l'est le monde paysan. En Alors, il y, y, y a des illustrateurs qui ont fait un formidable travail ouais. d'illustration. Ce sont toutes des œuvres originales, ouais. comme les BD, par exemple. On en, a, on en parlera peut-être. Enzo, oui. Anthony Huchette. On, on crée vraiment des œuvres originales. Et ce portfolio, il est, il est magique parce que c'est le seul qu'on n'ait pas lancé, puisqu'il est sur 16 ans. Euh, Pablo Chignard a fait un travail extraordinaire de suivre cet éleveur du Puy-de-Dôme. On, on le voit sécher. Son corps séché avec oui. la sécheresse des champs. On voit la, la lourdeur de l'administration, il est perdu là-dedans. On voit ses copains, on voit quand même la fraternité, la solidarité qu'il peut y avoir. On voit la vie arriver, sa famille grandir, les enfants arriver, son exploitation aussi changer, aller au bio. On remet, tout est dit avec ce porte, ces 30, 40 photos, ces légendes. On, on, justement, on, on le fossé, on le comble là, mm. euh, qu'on soit en ville ou qu'on ne connaisse pas l'agriculture. Voilà, On a de l'humanité, on a des émotions et on voit que cet homme, il, il, ben son métier il est beau mais en même temps il vieillit plus vite que nous. Hein. Et, ça, euh, et ça. les aquarelles pour adoucir tout ça derrière aussi. Je oui. vous fais écouter l'extrait d'un podcast qui s'appelle Business of Bouffe, Claude Gruffat, fondateur de Biocop. Je suis arrivé dans ce monde-là par l'agriculture. Moi, je suis fils de paysan, haut-savoyard. Je suis né sur une petite ferme laitière en Haute-Savoie, qui, 60 ans en arrière, pratiquait encore des méthodes d'agriculture qui étaient très respectueuses des sols, de la fertilité des sols, du bien-être animal. C'est un modèle d'agriculture très familial. Ouais. Et du coup, moi, ça m'a donné toute une culture qui fondatrice de c'est quoi l'agriculture et c'est quoi l'alimentation parce que de cette agriculture sur la ferme venait l'alimentation qu'on était les premiers à consommer ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui d'ailleurs chez les paysans on consomme plus qu'on produit c'est intéressant parce que dans ce MOOC, dans ce, dans ce gros livre, Édouard Bergeon, vous avez vous multipliez les portraits et les témoignages d'agriculteurs, beaucoup de jeunes agriculteurs avec des parcours beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, souvent atypiques, parfois très diplômées. dans qui, la solution, voilà, qui qui était en train de bosser à Boston et qui récupère des, des Anne-Cécile, Suzanne, voilà, vous des exploitations à elle. familiales et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'histoires d'héritage. Dans oui, ce puis... monde plein d'histoires d'héritage qui font évidemment écho à la vôtre. C'est-à-dire, que faire de, de l'auberge, du restaurant de mes parents Que faire de l'exploitation de mes parents Moi, la jeune génération, qu'est-ce que je fais face à la tradition De quoi j'hérite Le poids de l'héritage mmh. euh... Faut, faut le vivre hein, pour le comprendre hein, ouais. puisque, puisque ce sont des générations et des générations moi chez moi euh, on est agriculteur depuis tout le temps en fait, depuis le Moyen-Âge, ouais. du côté de mon père du côté de ma mère et c'est je pense pour ça aussi que je continue à, à creuser ce sillon et la terre elle est amoureuse je peux pas la quitter comme ça donc euh, j'ai passé mon BPREA mon brevet de responsable d'exploitation agricole en gros j'ai mon bac pro agricole ouais. mais je suis pas dans le tracteur mais je pense que je suis plus utile aujourd'hui à mettre des coups de caméra et des coups de lumière sur, mm. sur ces portraits là de, de, de femmes, d'hommes qui font des choses et qui justement euh, euh, ont un enjeu incroyable. D'ici 5 à 10 ans, la moitié des exploitations agricoles en France vont, di vont disparaître, ou, ou enfin disparaître. Les chefs d'exploitation vont partir à la retraite. Donc l'enjeu, justement, c'est de créer des vocations, et c'est d'expliquer que l'agriculture, elle peut être pop, elle peut être innovante, même si la transmission n'est pas simple. L'outil, le foncier, aujourd'hui, à transmettre, c'est très compliqué. Alors il y a plein de solutions aussi, avec Terre de Liens, par exemple, des associations qui font un travail extraordinaire, mais ouais, il y a un sujet là. Mmh. Il y a un sujet, vraiment. Il, il y a un sujet qui passe par la médiatisation. Parmi les portraits, il y a quelque chose qui revient beaucoup. C'est au fond des agricultrices et des agriculteurs qui vous disent on ne nous tend pas le micro. Donc maintenant, on va le prendre. On se raconte eux-mêmes. Voilà, on se raconte nous-mêmes. Et on se raconte nous-mêmes grâce aux réseaux sociaux. Euh, écoutez cette agricultrice qui fait vivre la vie de 15 000 poules sur pas... Twitter, Instagram et YouTube. Alors l'idée, là, quand on les accueille, c'est de passer sur le Kayboti et de les faire circuler. On leur demande d'être mobiles. Parce qu'une plus une poule va être mobile, plus, euh, plus facilement elle arrivera par exemple à remonter du gisoir vers le caïboti, elle arrivera à se percher, elle arrivera aussi à aller circuler sur le parcours. Allez les filles Allez les filles Vous voyez, elles sont pas serrées les poules. Hein. Elles ont de la place. Voilà, 15 000 poules en extérieur, il y a un compte qui s'appelle Les Jolies Rousses, oui. C'est pas, pas tant que ça 15 000, d'ici ça peut paraître beaucoup 15 000, c'est un bâtiment, c'est des poules qui vont en plein air, elles mmh, sont très bien, ça. elles sont sur de la paille. C'est pas 200 ou 500 000, hein. ouais. c'est un petit élevage. Lucie, donc qui est une des premières à m'avoir rejoint sur Cultivons-nous la télé, et qui a un super papier sur elle dans le livre, mmh. elle raconte comment, sur Twitter et sur Youtube, elle, 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 elle raconte son métier en fait. Mmh. Euh, elle n'était pas bio, là elle vient de passer bio. Et vous imaginez, si, je vous a, si je vous dis qu'elle elle va revenir au conventionnel, oui. parce qu'il y a une saturation du marché bio, des Oui, deux. Elle n'a pas assez de demande pour du bio en plein non. air. Ouais. Ce n'est pas un argument de vente, en fait. Mmh. Ça l'est peut-être à Paris. Ouais. Mais en tout cas, pour la majorité des gens, non. En fait, elle va, le plein air, oui. Le local, oui. Le circuit court. Les magasins fermiers marchent de mieux en mieux. Et tant mieux. D'ailleurs, euh, c'est l'agriculteur qui se regroupe, qui donne un peu de leur temps et qui crée des mmh. magasins fermiers. Donc euh, c'est beaucoup d'investissements, elle, elle est encore obligée de réinvestir, elle travaille. Et alors à travers ces réseaux sociaux, il y a une autre réalité que vous racontez pas, Edouard Bergeon, c'est qu'il y a aussi beaucoup de batailles, de batailles idéologiques, de mmh. batailles politiques, de batailles scientifiques au sujet de l'agriculture. Il y a plein de comptes de paysans qui sont extrêmement actifs, pas toujours des vrais, d'ailleurs parfois il <laughs> y a des faunés hein, aussi, il y a ce qu'on appelle les, les trolls. trolls exactement, ouais. mais qui sont prêts à ferrailler et à ferrailler dur parfois sur les questions phytosanitaires. Oui, il y a un vrai problème. On l'a dit, de faire savoir. Maintenant, faut... le... ils, ils se racontent eux-mêmes, puisque un moment donné, le jugement est assez, assez difficile sur. Eux. Et euh, l'agriculteur aujourd'hui est blessé, donc il réagit pas forcément très bien. Mmh. L'agriculture a souvent, a sûrement loupé des sujets sur le bien-être animal, sur les phytos. Mais aujourd'hui, il y a des injonctions de la société qui sont assez dures pour le monde agricole. Euh, la demande sociétale est, su, su, est plus rapide que l'agriculture peut changer les choses. Il faut 10 ans, 15 ans pour changer les choses. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est de... aujourd'hui, demain, tout de suite mmh. qu'il faut changer les choses. Euh, sur... L'agriculture a dû aller trop loin, mais si vous interrogez un agriculteur ou une agricultrice, il sera, par exemple, sur les produits phytosanitaires, il va pas vous dire qu'il en est pas par gaieté de cœur. À un moment donné, c'est une manière aussi, pour une forme d'agriculture, d'assurer un rendement et puis euh, de gagner leur vie, parce qu'il faut pas oublier que le système fait que euh, les consommateurs euh, veulent ou ne peuvent pas payer leur alimentation au prix qu'ils qu devraient la payer, en fait. Mmh. Donc, euh, oui, c'est politique. Euh, moi, dans ce livre, je raconte le bio, le conventionnel. Moi, moi je suis pour plus de vertu. Hein. Ah ouais. Je suis pour l'agriculture bio, je suis pour tout ça. Je suis... Mais euh, ce n'est pas si simple. Et aujourd'hui, je... il faut à la fois assurer notre souveraineté alimentaire. La France doit mmh. assurer sa souveraineté alimentaire. Et en même temps, euh, l'agriculture est un modèle de... C'est là qu'on doit, on doit s'appuyer sur l'agriculteur pour l'écologie, parce que moi je dis toujours que les agriculteurs sont les premiers écologistes. C'est peut-être peut bizarre à entendre, mais il travaille entre le ciel non, mais ce et la Ce terre. qui est intéressant, c'est que vous faites une, dé, une démarche médiatique et une démarche médiatique de réconciliation, de dialogue. est qu'on n'a pas le choix Parce qu'il y a d'autres démarches médiatiques qui sont l'inverse, c'est-à-dire on met en scène les antagonistes. Je pense par exemple à Hugo Clément, c'est pas pour rien qu'il appelle sa série d'émissions sur le ouais, front. Moi je suis c'est-à-dire le front, c'est euh, la guerre, c'est la ouais, bataille mais... et c'est les antagonismes. Oui, mais il est à l'étranger si vous regardez bien. Sur... Beaucoup, en en beaucoup. France, il n'est pas sur le terrain ou pas dans les, dans les fermes. Mais ça crée beaucoup de ressentiment chez les agriculteurs que d'avoir des vidéos qui peuvent être fabriquées à Paris avec des montages plus ou moins euh, tendancieux qui sont là pour dénoncer alors ça crée de l'émotion et l'émotion on sait très bien Moi, avec du cinéma j'ai créé de l'émotion mais on parle pas de fond là et quand on parle pas de fond et qu'on parle que d'émotion à un moment donné ça crée un ressentiment qui est quand même hyper difficile à encaisser bah, un agriculteur... lui il propose des enquêtes c'est quand même des enquêtes et c'est aussi des enquêtes ouais, je de terrain des petites vidéos un peu dans le euh, monde par entier exemple, euh, ouais. euh, qui peuvent refaire, euh, parler le 214 à El 214 bah, on, on vous en a préparé une aussi parce que c'est vous et vous-même, Édouard Bergeon, qui posez la question à vos invités. Que mmh. pensez-vous des méthodes de L214 à des éleveurs, ouais. mmh. voilà, Vous posez la question à des éleveurs, du coup, je voulais vous retourner la question. Il y en a une qui a été publiée hier, elle est tournée dans l'aube et elle met en cause la filière préférence de Hertha. Dans les cages de maternité, elles ne peuvent ni se retourner, ni s'occuper de leurs petits. De nombreux porcelets meurent dès les premiers jours. Les porcelets subissent une série de mutilations douloureuses à la chaîne de manière systématique. Voilà, donc c'est la dernière vidéo L214. Vous, vous posez la question à vos invités qu'est-ce que vous en pensez Moi, je vous pose la question parce que moi qui analyse les, les médias au jour le jour, c'est une stratégie médiatique bien particulière. C'est toujours l'idée de créer un choc, un choc pour réveiller les consciences. Non mais ces images, si elles sont là, c'est qu'elles existent, mais ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble de l'agriculture française. Après, c'est toujours pareil, le montage, je, je, viens, je, je viens de l'image aussi, mmh. euh, c'est des images chocs qui sont montées avec une voix grave, avec un ton. Euh, et des fois, moi, pour moi, c'est assez malhonnête. Qu'il y ait des lanceurs d'alerte de, qui existent, euh, tant mieux, et il en faut. Il euh, y a une BD sur Paul François, l'agriculteur, qui a fait condamner Monsanto après une intoxication au dédarbant. Euh, euh, elle est formidable, la BD, elle ouais, fait 30 30 pages, elle elle est, est dingues. Eh ben, ouais. Heureusement qu'il faut se remettre il y a 15 ans, hein, mm. quand lui lance l'alerte, on n'est pas dans les thématiques, dans les débats d'aujourd'hui. Donc heureusement qu'il y a ces gens-là, heureusement qu'il qu y a ces lanceurs. Mais L214, c'est quand même de l'intrusion sur des propriétés privées. En plus, on ne respecte pas les normes sanitaires. Ils viennent d'être condamnés là, il, y a deux, il y a deux jours, mardi, pour une intrusion dans un élevage. Moi, je pense qu'on est sur l'émotion au lieu d'être sur le fond. Les agriculteurs, ils sont là pour ouvrir leurs portes. Enfin, ils veulent. Bienvenue à la ferme, quoi. Venez voir, discutez. Et même des... Anne-Cécile, pour reparler d'elle, elle explique très bien. Euh, des végétari... Elle fait venir des végétariens, des véganes sur son exploitation. À la fin, ils repartent avec un pot de bolognaise <laughs> une fois après avoir visité la ferme parce qu'elle montre que ces vaches sont bien élevées, parce qu'elles vont au champ. Bien sûr, il y a le contrat social qui fait qu'au bout de 5 ans ou 10 ans, elles vont à l'abattoir. Mais après ça, s'il y avait plus de, de viande, il n'y aurait plus de ferme, il y aurait plus de paysage, il y aurait plus de paysans. Et vous vous racontez mille et une initiatives ben, euh, oui. extrêmement... Innovante, hein, je vous dis, vous, vous, vraiment, vous faites le, le, le portrait d'une agriculture euh, très plurielle. Vous racontez aussi des drames, comme vous l'avez raconté au cinéma. On écoute Bernard De Hetz. L'histoire, elle est ouais. voilà, J'étais avec eux dans le Béarn euh, voilà. euh, ce week-end. Je les accompagne. Voilà, alors c'est un récit tra tragique. C'est une spirale qui s'est abattue sur ces éleveurs. Il y a eu un cas de tuberculose détecté juste avant le Covid et il a fallu abattre une centaine de bêtes. L'avenir pour moi, euh, j'ai 55 ans. Retrouver euh, des vaches euh, aussi braves que j'avais, c'est. Je sais pas. Ça va être dur de repartir avec, euh, avec des vaches. Je me les connaissais toutes. Euh, chaque vache a son caractère. On verra. D'abord, il faut surmonter le, ce cap, le départ de mes animaux, et après. Euh, je vais voir, je ne sais pas. Alors ça, c'est une série de reportages sur cultivons -nous une série, voilà. Ouais. Et puis vous en avez fait un long récit dans cette version écrite et imprimée qui sort aux arènes. En fait, Sylvie, la femme de Bernard, lance une bouteille à la mer il y a un an et demi, parce que son, son troupeau part à l'abattoir et elle est toute seule. Il n'y a pas d'accompagnement, trop d'administratif. Et là je, re je reçois ce mail et je me dis mais non mais je peux pas y aller, on est début juillet, je fais plein de choses, et puis finalement euh, j'ai mon ventre qui me parle, ça me fait mal, et je descends, je prends un TGV mmh. parce que, parce que les, les vaches vont partir à l'abattoir et pour le coup l'administration leur empêche de faire des images en souvenir. Et là, à un moment donné, moi je peux pas, je peux pas, je peux pas admettre ça. Donc euh, j'y vais, je filme avec mon téléphone, et puis après, il euh, y a un député justement qui fait... qui, qui s'occupe d'une mission parlementaire sur le mal-être agricole déclenché par mon film, bah, que je connecte avec eux, qui vient les aider, comme quoi le politique peut aussi faire des choses. Et puis ensuite. Et comme quoi le médiatique engendre le politique. Exactement. Ouais. Et puis après, ça a fait bouger le Crédit Agricole qui voulait pas bouger. Et puis et puis et puis j'y étais ce week-end et euh, les vaches sont revenues. Alors pas c'est pas les mêmes, c'est pas celle qui l'a fait naître, mais ils vont mieux. C'est pas réglé, mais en tout cas le médiatique, oui, le politique, on a pu accompagner une famille, on a remis de l'humain et c'est ce qui est au centre du plan qui a été rendu la semaine dernière euh, par le ministre de l'Agriculture que j'ai accompagné que, sur le mal-être et la prévention du suicide, c'est de remettre l'agriculteur et l'agricultrice au centre du jeu quoi qu'il arrive. Et pour ça, oui, il faut à un moment donné euh, considérer que ce sont eux et elles qui nous nourrissent. Et on l'a vu pendant le confinement. Euh, on s'est tous posés autour d'une table parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. On a cuisiné, on a mangé, on a retourné les boîtes, mmh. on s'est demandé d'où ça venait. Et les seuls endroits où c'était ouvert, c'était les supermarchés, les marchés. Et là, à un moment donné, on a peut-être eu conscience qu'on avait besoin de nos agriculteurs et nos agricultrices. Voilà, des histoires de femmes et d'hommes. C'est cultivons-nous, c'est sorti aux arènes, bien manger avec les paysans d'aujourd'hui. Oh là, on vous a pas fait le troisième volet qui est bourré de recettes de cuisine <laughs> du chef de, du fooding de l'année, Daniel Morgan, Absolument. et qui est c'est assez extraordinaire. Et de conseils pour bien bouffer. Merci, Édouard bah, Merci, merci d'être venu dans l'Instant M.